Bon jeudi soir tout le monde. Aujourd'hui, si vous avez fait un arrêt à la pompe, le litre coûtait 1,76 à Montréal, 1,64 au Saguenay, 1,78 en Gaspésie. Quand on passe à la station-service au Québec, notre facture dépend énormément d'où on se trouve. Mais qu'est-ce qui explique de tels écarts de prix? Est-ce que certaines régions se font avoir? Le gouvernement Legault avait commandé une étude et les constats ont été rendus publics aujourd'hui. On suggère d'abolir le prix plancher pour favoriser la concurrence. Et le ministre Fitzgibbon vous allez voir en a rajouté aujourd'hui. José Lagagnère. Pour aider à diminuer les prix de l'essence, le gouvernement provincial entend mettre de l'avant deux mesures. Des mesures suggérées par une étude sur la situation qu'il avait demandé afin de mieux comprendre les prix élevés dans certaines régions du Québec, dont la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. En charge du dossier, le ministre Pierre Fitzgibbon a annoncé aujourd'hui vouloir tout d'abord abolir la loi qui fixe un prix plancher pour la vente de l'essence au Québec. Le prix plancher avait été mis en place à l'époque parce qu'on voulait empêcher qu'il y ait une consolidation, que des prédateurs baissent trop les prix pour éliminer la concurrence. C'est arrivé de toute façon. Là, on va enlever le prix plancher. puis Peut-être que des concurrents vont baisser les prix encore plus. Deuxième mesure envisagée par le gouvernement mettre en place un régime de transparence des prix. Il veut obliger les stations-services à fournir à la Régie de l'énergie leurs prix à la pompe afin de les publier et mieux informer les consommateurs. Je pense que la transparence quotidienne ou hebdomadaire va faire en sorte que les gens vont pouvoir aller où c'est moins cher, d'une part. Et d'autre part, bien, ça va avoir un effet, une pression positive sur l'écosystème aussi. Des mesures qui semblent bien accueillies par le CA, tout comme les automobilistes que nous avons rencontrés. Ça pourrait amener d'ailleurs plus de concurrence. Ça pourrait surtout ouvrir la, la porte à un joueur comme Costco euh, de pouvoir vendre son essence sous ce qu'on établissait comme le prix minimum estimé. On demande pas mieux hein, au prix qu'on paye. Là. <laughs> oui, oui, parce que là, ça n'a pas d'allure. À un hein, moment on a la misère à aller travailler et tout ça. Puis, euh, ça n'arrête pas de monter. Là. Le maire de Québec se dit également en faveur de ces mesures. Ça va. On se définitivement avoir quelque chose qui marche pas. Alors je souscris à ce que M. Fitzgibbon annonce aujourd'hui comme mesure. Puis souhaitons que ça, ça vienne changer la donne parce que les gens de Québec sont en haut. Le prix de l'essence a aussi fait réagir aujourd'hui sur la scène fédérale. Le Parti conservateur de gros bon sens demande au gouvernement fédéral de suspendre tous les taxes sur l'essence et les diesel entre le fait des patriotes et le fait du travail. Questionné savoir si une réduction de taxes serait une bonne idée afin de diminuer le prix de l'essence, Pierre Fitzgibbon a eu cette réponse en point de presse. les monter, Plus tard sur les médias sociaux, il a tenu à préciser qu'aucune hausse de taxes sur l'essence n'était envisagée par son gouvernement. José Lagagnard, TVA Nouvelle, Québec.